Et bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour une petite vidéo. Donc, la catastrophe avec la chaleur, je suis complètement. J'ai les cheveux complètement morts. Bon, on se retrouve pour une petite vidéo à faire un petit bilan de mi-année, on va dire, comme ça va être les vacances. C'est simplement, je voulais déjà vous dire ce qui vous attend pour le reste du mois de juillet et pour le mois d'août. Alors, pour le reste du mois de juillet, là, il me reste deux jeux à vous faire, donc il va y avoir au moins deux vidéos sur des jeux que j'ai pas encore fait en vidéo puisqu'ils sont pas encore sortis. Les deux sortent le même jour, donc je vais en choisir un pour la sortie et puis le deuxième je ferai une petite vidéo un peu plus tard. Je sais pas encore dans quel ordre ni lequel je vais faire en premier, mais je vais vous faire ça de cette manière. Pour le mois d'août, je suis en train de tourner un let's play. Ça va pas être un gros let's play, hein. C'est un truc qui doit durer 2 heures, 2 heures et demie, je pense, pas plus. Donc ça va être en plusieurs épisodes. Mais je pense qu'il y aura 4 épisodes. Je pense. Après on verra, ça se trouve je vais vraiment traîner. Mais je pense qu'il y aura, 4 épisodes. Ça ira pas plus loin. Donc pour le mois d'août, il y aura ça. Moi normalement au mois d'août, je pars une semaine. Donc il y aura peut-être une semaine où il n'y aura rien. Ou alors je verrai. Je vais me débrouiller sur place pour l'uploader. Puisque je serai. Je pourrais l'uploader en 4G normalement. Et puis de toute façon, je serai chez quelqu'un. Donc. Au pire, voilà, je pourrais me débrouiller. Je voulais aussi remercier un peu tout le monde parce que cette année, franchement, cette année 2018, elle est folle. On arrive à pas loin de 600 abonnés. Si vous regardez par rapport à la vidéo que j'ai fait au mois de. C'était au mois de décembre, je crois, où je parlais de ça. On a quand même bien grimpé. Hein. Je m'attendais pas à ce que ça grimpe autant. Donc je tenais à vous remercier pour ça. Je voulais aussi vous parler de plusieurs choses parce que j'ai. D'abord, il y a le rétro replay. J'avais fait une émission il y a. Ça doit faire au moins un an et demi maintenant, puisque c'était juste avant qu'on déménage de l'appartement. Donc, avec Jérémy, on avait fait cette première émission. Et. Depuis, il n'y en a pas eu d'autres. Alors, j'ai pas abandonné le format. J'ai pas abandonné le projet d'en tourner d'autres. Sachez qu'on en a tourné un autre. On en avait tourné un deuxième. On a eu des problèmes de manette, on a mis un quart d'heure à se rendre compte que ça venait de la manette, parce qu'on avait des problèmes, on comprenait pas d'où ça venait et tout, et c'était la manette, donc on a changé de manette et tout, ça allait mieux. Et ensuite, il y a eu des problèmes de son, il y a eu des problèmes de plein de choses, en fait, qui font que j'ai jamais pu rattraper tout ça. Et donc, je suis désolé, on va peut-être entendre le petit. Et donc, j'ai jamais pu rattraper tout ça, et cet épisode, il est totalement parti à la poubelle. Je vous dis pas sur quoi, parce que peut-être qu'on le refera un jour, on recommencera. J'ai toujours le jeu, j'ai toujours la console, donc peut-être qu'on le refera. Ensuite, on avait prévu d'en tourner encore un autre sur un jeu différent. J'étais en train. Jérémy était là, toujours avec lui, hein. Jérémy était là. Il a ramené les jeux, il en a ramené deux, comme ça, de la même série. Comme ça, on aurait peut-être fait deux épisodes le même jour. Et j'aurais eu un petit peu d'avance. Donc il a ramené les jeux. J'ai commencé à sortir la console, on a commencé à brancher le matériel, et là, il a eu un coup de téléphone pour une urgence. Et il a dû partir en urgence. Et on n'a jamais pu tourner cet épisode. Et depuis, on n'a pas vraiment eu le temps. Parce que moi, j'ai eu la naissance du petit entre deux. On a tous les deux un travail. Donc, on n'a jamais eu le temps et pris le temps de tourner cet épisode. Mais celui-là, on aimerait vraiment beaucoup le faire. Parce que c'est des jeux qui vont ressortir bientôt. Et on aurait bien aimé vraiment le faire. Maintenant, on verra si on a le temps ou pas, si on trouve le temps tous les deux de le faire. Mais c'est un format, en tout cas, que j'ai pas abandonné. C'est pas forcément un truc que les gens veulent voir ou quoi. Enfin, je pense, en tout cas, les jeunes, en tout cas, revoir des jeux pour certains qui ils ont même pas vu dans leur enfance parce qu'ils étaient même pas nés ou quoi. Ça les intéresse pas forcément. Maintenant, ils veulent voir de la 4K, du machin. Voilà, donc, bon. Mais moi, c'est un truc que j'aime bien faire. Et j'ai toujours dit que je faisais des trucs pour moi d'abord. Et moi, c'est un truc que j'aime bien faire. Donc, je pense que je le referai. Donc c'est un format que j'ai pas abandonné. Ensuite, je réfléchissais à reprendre un format que j'ai essayé sur Dailymotion. J'avais fait trois épisodes et j'ai abandonné totalement, là, pour le coup. Parce que j'ai jamais réussi à faire un truc qui me plaisait. Le premier épisode, ça faisait trop encyclopédie, trop Wikipédia, trop sérieux.
Le deuxième épisode, j'ai essayé de l'animer un peu plus, mais ça me plaisait toujours pas. J'ai fait un troisième épisode où je maîtrisais pas les logiciels que je maîtrise aujourd'hui. J'avais pas les qualités de micro que j'ai aujourd'hui, j'avais pas tout ça. Donc, du coup, c'est un peu longué, c'est un peu. Et on se fait chier au bout d'un moment. Et j'ai jamais réussi à. En fait, à faire ce que j'avais en tête. Aujourd'hui, je pense que j'ai plus de moyens. J'ai. Un petit peu plus, j'allais dire de talent, pas de talent, mais de maîtrise sur les logiciels. Et j'ai des idées aussi qui me sont arrivées entre deux, enfin, trouver des moyens de couper un petit peu les moments où il y a beaucoup d'infos et tout, avec des petites scènes, des petits trucs. Et je m'essaierais bien à nouveau à ce format. En fait, ça s'appelait le plein d'infos. Et je choisissais genre un sujet et je faisais une vidéo sur ce sujet. Genre, j'avais fait un épisode sur Nintendo, un épisode sur Sega et un épisode sur la série Silent Hill. Donc voilà, vous voyez un petit peu le genre de truc que ça aurait pu être. Et j'essaierai bien de reprendre ce format, enfin de reprendre ce format, de reprendre l'idée que j'avais à la base et de recommencer à nouveau en changeant le nom et tout pour YouTube. Si vous voulez les voir, d'ailleurs ma chaîne Dailymotion elle est dans la bannière, vous pouvez y aller et vous pouvez les retrouver. Vous verrez, j'avais pas du tout le même micro et tout, c'était un peu dégueu au niveau du son. Mais il y aurait moyen de reprendre ce format et de faire quelque chose de mieux. Mais je pense que pour réessayer, je reprendrai un épisode que j'ai déjà tourné, soit sur Nintendo, soit sur Sega, c'est les deux qui m'inspirent le plus. Pour reprendre vraiment le sujet que j'ai déjà traité, reprendre les infos, reprendre tout ça et remettre tout ça au propre, y incorporer des nouvelles idées, une nouvelle mise en scène et tout. Pour essayer d'en faire quelque chose d'un peu plus agréable à regarder. Je réessaierai bien de cette manière-là. Et je vais faire une petite coupure parce que j'entends le petit qui s'énerve un peu. Et on se retrouve après. On va essayer de reprendre tranquillement. Donc j'en étais, oui, au plein d'infos. Donc je reprendrai bien un sujet que j'ai déjà traité pour me faciliter un petit peu le travail pour ce premier épisode. Et voir si cette fois j'arrive à faire ce que je veux réellement, et si j'y arrive et que ça me convient, c'est un format qui me plaisait bien et qui m'intéresserait. Enfin, ça m'intéresserait de reprendre. Alors, il n'y aura pas de rythme bien défini, hein. Je vais reprendre, mais je vais pas vous dire il y en aura un tous les mois, hein, machin, parce que j'en sais rien, ça dépendra du temps que j'ai. Je préfère vous faire les vidéos sur les sorties des jeux et tout. Et ajouter des choses à côté quand j'ai le temps, plutôt que d'arrêter de faire certaines vidéos, pardon, sur des jeux qui sortent et tout, pour pouvoir vous faire ça et sortir deux vidéos ou une vidéo dans le mois au lieu d'en sortir quatre, trois ou quatre. Ça m'intéresse un petit peu moins quand même. Je préfère sortir des choses et éventuellement travailler à côté sur ce genre de petits trucs-là, en plus, selon le temps que j'ai, et si ça met plus de temps à arriver, c'est pas grave. Donc voilà, je prends aucune note à chaque fois quand je fais ces vidéos. En fait, je me dis, tiens, je pose mon téléphone sur le trépied, et puis j'y vais comme ça. J'ai aucune note, j'ai rien qui est préparé, hein. Donc c'est pour ça que des fois, je réfléchis un peu à où j'en suis, et surtout quand je suis coupé comme ça. Sinon, il y avait. J'étais en train de réfléchir pour changer mon intro, parce que mon intro, c'est un truc très simple. C'est un truc que j'ai pris, on va dire, sur une chaîne. Un template que j'ai pris sur une chaîne où il fait des templates. Le mec fait des templates gratuites pour Vegas Pro. À l'époque, sur Dailymotion, j'avais une intro que j'avais fait moi-même, donc c'était pas fou, hein. C'était des images de jeux qui s'enchaînaient avec des fondus, machin, c'était pas de la folie. Avec une petite musique que j'avais prise, voilà, donc d'un artiste qui faisait des trucs libres de droit, donc j'avais l'autorisation de la prendre et tout. Je crois que je l'avais mis d'ailleurs dans les crédits, il me semble. C'était pas fou, mais bon, je l'avais fait moi-même. Maintenant, je suis pas très très fort pour faire ce genre de truc. Oh, excusez-moi. Donc, oh là, il va falloir que je me coupe encore. C'est relou. Bon. C'est quelque chose que je vais finir vite, pour lequel je suis pas très fort, mais je vais essayer de refaire une intro moi-même. Éventuellement, je vais faire des essais, je vais regarder ce que ça donne, et puis si c'est pas concluant, je changerai pas. Si ça me convient, je changerai peut-être d'ici la rentrée. Donc, on verra bien.
En tout cas, je vous remercie. Sachez que la chaîne va tourner quand même pendant l'été. C'est des vidéos que je vais tourner là maintenant, cette semaine. Je vais avoir au moins 2 heures de libre tous les jours pour tourner. Donc je vais tourner à fond des vidéos pour le mois de juillet, le mois d'août et tout. Après, il y a les deux derniers jeux qui restent à arriver à la fin de la semaine là. Donc ça, je verrai au moment où je vais les recevoir comment je vais faire. Mais pour le reste, je vais tourner en masse cette semaine. Je vais tout monter et puis vous aurez tout qui arrivera au fur et à mesure. Au mois de juillet, au mois d'août. Donc je vous remercie, je vous dis à la prochaine, salut à toutes et à tous!